est le cinquième dimanche. Et le cinquième anniversaire du carême de l'année B. Nous fêtons également aujourd'hui le 39e anniversaire du groupe chrétien engagé pour le salut, CES. Le Dieu de l'Alliance. Ce dimanche,
Il est question de la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Voici venir des jours où je conclurai une alliance nouvelle. L'alliance nouvelle annoncée par le prophète Jérémie sera scellée dans le sang du Christ, serviteur qui s'est offert pour le pardon de nos péchés. En lui, nous sommes purifiés. Nous sommes sauvés. Mettons-nous debout pour méditer la messe du jour. Qui aujourd'hui célèbre
le 31e anniversaire. Nous sommes invités tout au cours de cette célébration à prier pour eux, afin qu'ils demeurent fidèles à leur engagement dans la mission du Seigneur, dans son Église. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant humblement que nous sommes pécheurs, implorons la miséricorde de Dieu. Je conclurai une alliance nouvelle et je ne me rappellerai plus de leurs péchés. Écoutons la lecture du livre du prophète Jérémie au chapitre 31, les versets 21 à 34. Je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes. Je l'écrirai sur leur cœur. Je
blessures ont peur. Ils n'auront plus à instruire chacun son compagnon, ni chacun son frère en disant, apprends à connaître le Seigneur, car tous connaîtront du plus petit au plus grand. Oracle du Seigneur, je pardonnerai leurs fautes, je ne me rappellerai plus de leurs péchés. Oracle du Seigneur, parole du Seigneur. Dans le psaume responsorial, nous demandons à notre Dieu de créer en nous un cœur pur. Chantons avec le psalmiste. Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit avec un grand cri et des larmes des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Christ, il apprit par ses souffrances l'obéissance
Il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. Parole du Seigneur. Quelqu'un veut me servir, qu'il me suive, dit le Seigneur. Et là, moi je suis, moi là aussi, sera mon serviteur. Alors, du ciel vint une voix qui disait,
Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. En l'entendant, la foule qui se tenait là disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient, c'est un ange qui lui a parlé. Mais Jésus leur répondit, ce n'est pas pour moi qu'il y a eu cette voix, mais pour vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir. Acclamons la parole de Dieu. Sœurs et frères, nous voilà déjà au cinquième dimanche du temps de carême de l'année B, communément appelé dimanche des prophètes. Cela dit, à grands pas, nous nous approchons de la célébration du mystère de notre rédemption. Occasion pour nous ce matin de nous regarder en toute sincérité, en toute vérité. Occasion pour nous de chercher à découvrir où est-ce que nous en sommes avec nos préparations, avec nos efforts. Après avoir parcouru un long chemin, il est toujours bon de prendre le temps de s'évader. Voilà pourquoi ce matin, nous voulons faire une halte. Pour non seulement nous évaluer, mais aussi et surtout pour mieux entamer la dernière étape de notre préparation pour mieux grandir à nouveau. N'oubliez pas, mes frères et sœurs, le thème que nous avons choisi pour mieux vivre ce temps de carême, c'est « Revenez à moi de tout votre cœur, car je suis miséricorde. » Et pour le premier dimanche, appelé dimanche de la tentation, nous avons eu comme sous-thème résister à la tentation. Maintenant, j'appelle le premier dimanche du temps de carême.
résister à la tentation. Nous avons compris que pour revenir vraiment de tout notre cœur au Seigneur, il nous faut apprendre à résister à la tentation. Puisque la tentation est partout, puisqu'elle nous guette, si nous ne lui résistons pas, nous risquons de retomber ou de revenir aux choses que nous avions laissées pour le Seigneur. Pour le deuxième dimanche du temps de carême, appelé aussi dimanche d'Abraham et de la Transfiguration, nous avons eu comme sous-thème, écoutons la voix du Seigneur et laissons-le nous transfigurer. Maintenant, j'appelle le deuxième dimanche du temps de carême. Écoutons la voix du Seigneur et laissons-le nous transfigurer. Nous avons résisté à la tentation. Maintenant, nous avons de la place en nous. Nous avons de l'espace pour Dieu. Nous pouvons maintenant écouter sa voix et le laisser nous transfigurer. Débarrasser des tentations qui nous préoccupaient et nous empêchait d'écouter la voix de Dieu, nous sommes à présent à lui et à lui seul. Et sa présence en nous fait rayonner nos visages, remplis d'amour, de joie et de bonheur. Donc, nous pouvons revenir de tout notre cœur au Seigneur en écoutant sa voix et en nous laissant transfigurer par lui. Pour le troisième dimanche du temps de carême, appelé dimanche de Moïse, nous avons eu comme sous-thème, purifions-nous, car nous sommes temple de Dieu. Maintenant, j'appelle le troisième dimanche du temps de carême. Purifions-nous, car nous sommes le temple de Dieu. Sœurs et frères, je tiens ici à vous rappeler que le baptême a fait de nous la demeure de Dieu, le temple de l'Esprit Saint. Puisque nous sommes temple de Dieu, nous ne pouvons pas nous permettre de faire n'importe quoi, de nous salir comme bon nous semble. Nous avons besoin de nous débarrasser de tout ce qui nous empêche d'être vraiment demeure de Dieu, d'être vraiment temple de l'Esprit Saint. D'où l'importance de la purification pour nous. Jésus a purifié le temple de Jérusalem en le débarrassant des marchands, des changeurs, etc. Il le débarrassait de tout ce qui l'empêchait d'être la demeure de Dieu, la maison de Dieu. Pour revenir de tout notre cœur au Seigneur, nous avons besoin de nous purifier. Purifier, il fera sa demeure en nous. Pour le quatrième dimanche du carême, appelé dimanche de la joie
ou encore dimanche d'Israël et de la Terre Sainte, nous avons eu comme sous-thème, dans la joie, contemplons Jésus, lumière du monde et sauveur de toute la création. Maintenant, j'appelle le quatrième dimanche du temps de Carême. Dans la joie, contemplons Jésus, lumière du monde et sauveur de toute la création. La liturgie du quatrième dimanche nous a fait découvrir comment Dieu nous sauve malgré nous et gratuitement en son Fils Jésus-Christ. Ce Fils qu'il a envoyé dans le monde est la lumière. Puisque Dieu nous sauve, malgré nous et gratuitement à son Fils qui est lumière. Donc, pour revenir à lui de tout notre cœur, nous avons besoin de contempler cette lumière et d'accueillir ce Sauveur dans la joie. Et aujourd'hui, pour ce cinquième dimanche, nous avons comme sous-thème de la croix à la gloire. J'appelle maintenant le cinquième dimanche du temps de Carême. Sœurs et frères, en ce cinquième dimanche du temps de Carême de l'année B, je voudrais m'arrêter sur cette déclaration de ces Grecs qui étaient montés à Jérusalem et qui voulaient voir Jésus. Nous voudrions voir Jésus, disent-ils à Philippe. Probablement, ils voulaient voir Jésus par curiosité ou tout simplement, ils voulaient le regarder. Sûrement, ils avaient entendu parler de Jésus et ils voulaient le confirmer de leurs propres yeux. Mais pour nous chrétiens, partisans de Jésus-Christ, voir Jésus est plus que ça. Voir Jésus pour nous, c'est nous faire avec lui, c'est entrer dans son plan de salut, c'est accepter de le servir et de faire route avec lui et de faire alliance avec lui. Aujourd'hui, il se présente comme le Dieu de l'alliance. D'ailleurs, c'est ce qu'il nous fait découvrir dans l'évangile que nous venons d'écouter. Il nous fait découvrir que nous pouvons le voir si et seulement si nous acceptons de le servir et de faire route avec lui. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Donc, mes frères et sœurs, nous comprenons que voir Jésus
pour nous demande aussi d'accepter de souffrir, de mourir avec lui pour ressusciter avec lui comme le grain de blé tombé en terre. Si nous mourons avec lui nous vivrons. Si nous souffrons avec lui nous régnerons. En mourant avec lui comme ce grain de blé tombé en terre, nous porterons des fruits d'amour, de justice et de paix. Mes frères et sœurs, si voir Jésus pour nous, c'est servir Jésus, et servir Jésus, c'est suivre Jésus, et Jésus lui-même nous dit que là où il est, là aussi sera son serviteur. Donc, comme Jésus, nous aurons à souffrir et aussi nous serons glorifiés avec lui. Comme Jésus, nous passerons de la croix à la gloire. D'où le message de ce matin, de la croix à la gloire avec Jésus. Sœurs et frères, demandons à Dieu de nous accorder la grâce de suivre son Fils joyeusement. Que nous sachions que les difficultés, les souffrances, les croix sont les chemins par lesquels nous devons passer pour parvenir à la gloire avec ton Fils. Donne-nous le courage, la force et la foi dont nous avons besoin pour tenir et aller jusqu'au bout. Et enfin, Seigneur, nous te supplions, au bout de ces deux tests, accorde courage, détermination et bénédiction. Qu'ils aient la joie de chanter pour toi et de servir toi et toi seul. À ce Dieu d'amour, soit le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Amen. Frères et sœurs, je vous invite à vous mettre debout. Nous allons maintenant professer notre foi en ce Dieu d'amour, en ce Dieu qui nous aime. Je crois en Dieu, le Père puissant, créateur du ciel. Passer de la croix à la gloire, nous avons besoin de prier, nous avons aussi besoin de la force
et du courage pour affronter les souffrances et les difficultés. Voilà pourquoi, maintenant, je vous invite à avancer et vous allez prendre un petit papier dans lequel sera inscrit pour vous ce que vous pouvez faire pour rester dans la voie qui mène à la gloire. Thank you.
soutient l'Église dans ses efforts d'évangélisation. Qu'elle aille à la rencontre des jeunes. Nous t'en prions, Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie à ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Thank you.
de consacrer toi-même les œuvres que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La lumière est livrée, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi. Écoute la prière de Jean-Robert Constant qui célèbre aujourd'hui son anniversaire de naissance. Écoute aussi la prière du groupe CPS. Et ramène à toi, Père Président, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la voiture, dont nous prions, reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout.
Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui en est.